Bonjour, chers amis. En tout cas, comme c'est devenu les rituels, je pourrais simplement dire que Bokoto, 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 Potosola, Elokonako, Lobanabino, Tosolimpe, Moulaï, dans un peu la disposition de Bino Pona. Il est de notre devoir de transmettre la connaissance pour que nous soyons nombreux et à comprendre si je ça autour Yambo Kanabiso. Donc, j'invite ceux qui sont en train de rentrer. Je ne démarre pas tout de suite parce que je souhaiterais que un grand nombre y a Batouba Kokako rejoindre Bissot. Poto Solola. Bonjour, Mister Konaté. En tout cas, le souhait, c'est de vous demander surtout de partager au maximum pour Tokokakozala et Belé. Si j'ai abordé le lot, c'est vraiment que Naza n'a pas ça, le maximum de Congolais, pour comprendre Banger autour Yambo Kanabiso. Et Banger Wana, et Zosenga que. Oyo ba yebi, ba expliquer na ba yebite. Oyo ba zo comprendre te, ba za la possibilité à poser ma question. Oyo ba koya pona ko finga, écoute, ce n'est pas vraiment le bon endroit. Parce que intention, je dirais simplement yanga ce soir, c'est de passer la connaissance. Parce que lorsqu'on comprend ce qui se passe, Tokoki kozwa ba disposition oyo ekoki ko aider bisopo total à intérêt yamboka mobimba. J'allais vouloir mettre une musique de fond juste pour permettre à certains de pouvoir nous rejoindre. J'ai retrouvé une cassette du concert que j'avais organisé quand j'étais étudiant ou doctorant à l'université de Metz, à moins de 3 mois de l'arrivée de Papa Mbaye et tout son orchestre Viva la Musica. J'ai retrouvé cette cassette-là, et en fait, comme Lelo Nazan Aposa Tosolo, impact Yambo Kanabiso sur l'évolution technologique dans le monde. Alors, j'ai retrouvé cette cassette et puis j'étais tellement curieux de pouvoir écouter ce concert. On ne l'avait pas mis dans les CD, on avait filmé quelques images, mais c'était un bon souvenir juste pour qu'on se souvenir un peu. Il y a Moussika Touti, c'est que à l'époque on était, c'est ça, les cassettes qu'on pouvait appuyer sur Play. Cassette et Kangami, et Zobeta, comme ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, cassette, système, il y a cassette, ma place au Tokomi, Tokomi Lelo. Bon, ça me fait la blague que ça nous faisait à l'époque, hein, donc, au Bimisi cassette, au Balouli, au Tali, qu'est-ce qui se passe? Et Katanite, il ne va pas me faire ça, il doit jouer. Bon, ça tourne. J'espère qu'il ne va pas me faire la mauvaise blague. Je vous laisse juste partager ce petit moment pour que nous puissions donner la chance aux autres de pouvoir nous rejoindre. Na live oyo. Ah, cassette oyo. Et salut, ma blague, ma en tout cas, Bokota, je suis avec vous. Des agréments techniques, technologiques,
Bon, Limbisanga d'avance, je vais aller chercher une cassette qui doit marcher. En fait, la cassette n'avait pas de problème, c'est moi qui avais mis les volumes en bas, complètement fermé les volumes. En tout cas, vous notez vos questions. Napoloumou, tu vois, la question que tu poses, est-ce que pensez-vous que la République démocratique du Congo a fait face à cette pandémie, a pris de bonnes mesures pour la population? Donc je vais évoquer tout ça. Je vais vraiment évoquer tout ça. Je vous demande, s'il vous plaît, Napo, Binonio Sotou Obozana Nini, beau partager dans ma groupe parce que moi j'ai pris le temps pour partager Nabino ma connaissance. Je sais que tu as la période où il faut Kosukola Maboko, Komelamai, etc. Et sachant que cette vidéo va être suivie par beaucoup de gens, je me soumettre na exercice wana, en attendant que tout le monde, beaucoup de gens viennent nous rejoindre. Mais je vous invite vraiment. On dit chez nous qu'il faut nettoyer les mains. Je vais pouvoir les faire. Donc, vraiment comme on est en train de nous montrer, par 20 secondes, les invités ont lié ma situation et à Mboka Nabiso. Je suis en train de le faire. Nabibosona Boye qui n'avait pas sa vidéo, je pensais que c'était pas nécessaire de faire ça comme un jeu. Mais la pandémie, la gravité de la pandémie oblige que Tokokako passe un message. Batou, Basala, comme on est en train de nous montrer. Donc, je rince, je lave mes mains. Nansoukou Maboko. Et je vois que ici, la question que tu as posée, ça c'est un rouleau de papier que je me suis approvisionné. Confinement oblige. Je me suis approvisionné pour faire vraiment montrer aux gens que ben, c'est de tout ça que nous allons parler. C'est de tout ça que nous allons parler. On nous a demandé d'utiliser les sanitizers pour désinfecter nos mains. Ben, chers frères, chères sœurs, ça n'a rien à voir avec la prière, ce que nous faisons là, ce geste-là, ça n'a rien à voir avec la prière. C'est quelque chose que nous faisons, mais simplement parce que nous sommes dans des pays où les conditions sont réunies pour avoir des papiers, de désinfectants, et une source d'eau potable qu'on peut boire au robinet ou encore avoir des bouteilles d'eau que nous pouvons utiliser. Je suis Naza Nesengoyako Sala Exercice Oyo Nazalaki noble de Jésus. Je ne peux pas manquer de te féliciter pour nous avoir fait prendre conscience de toi. Tu fais partie, un Congolais qui fait partie des gens qui font le job essentiel, le travail essentiel. Ça veut dire que
Le travail essentiel est à Batu Oyo, Baza na obligation que nous musala, même quand la situation est dramatique, telle que nous avons vu un noble de Jésus rouler en voiture, seul dans la voiture. Je me suis dit au départ, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai vu des camionneurs en train de donner des messages. Bon, Balobi, un être humain se touche la figure 3-7 fois par 3-4 fois par minute. On va essayer de ne pas le faire. Noble, merci pour ton service. Merci aussi à toutes les infirmières congolaises, toutes les infirmières d'origine africaine qui sont en train de travailler dans les hôpitaux en France. Merci à mes amis qui sont des médecins dans de grands groupes hospitaliers en France. Je pense aussi à tous les médecins qui sont en train de s'occuper des malades à travers le monde. C'est quelque chose que cette occasion, nous ne pouvons pas la manquer. Je vous demande, chers amis, j'ai envie de voir le nombre de participants et Mata, parce que ce que je vais partager, je ne sais pas si je suis en train de faire une palpitation, là, je ne sais pas. La situation, elle est angoissante pour nous tous. Bon, donc je pense que Binonio Soboza en ligne Sikoyo, faites-moi plaisir, entrez dans, tapez sur partager dans le groupe, et Panzamakita, Igo Tungi, à tous les groupes, Congo à Solo, etc., partagez au maximum parce que vous allez suivre ça en direct. Bokoyo Kangana Lingala, ba service va mboko tofandi, ba ko étudier ngo à fond. Parce que nga na kolobalelo na compte ya Congo, na compte na biso, na compte na nga mon côté, na compte na biso ba congolais. Parce que Congo ezo joué rôle na économie à monde. Na ko faire participer bino na échange o toza nango lelo. Na ko sala moi ba manœuvre moko pas trop facile à faire parce que na positionné caméra wa, j'avais pensé que na kokai ko utiliser application oyo et kokai ko permettre ngana partager écran ya tablette nanga directement, mais malheureusement ça n'est pas adapté na Android oyo nazo ko utiliser. Bon, comme je vais commencer nini live na biso sur le sujet, je vais arrêter ce concert que Papa Yemba nous a fait à la région, à Metz, en 1986, c'était le 16 mars 1986. J'étais encore étudiant, j'étais en train de faire mon doctorat, et l'idée, après ça, la production, propagande, il y a musique congolaise na poto. Et donc, je vais arrêter la musique. J'ai montré la cassette, système, il y a cassette Ndenge Tozaki na Liboso. Pour bosser la comparaison, il y a radio cassette Oyo. On est obligé à l'Aksaba Oyo, la région de Biso. Pour comparer radio cassette Oyo na YouTube. Pour comparer système ya radio cassette na YouTube. Pour comprendre l'importance ya mboka na biso. Botala, quelle relation il y a entre cette cassette na Simbi na YouTube oyo tozobeta na Bluetooth na katia ba voiture. Ça, c'est le Congo. Alors, intitulé à présentation nanga na lobby, le coronavirus et puis impact ya coronavirus. Je vous demande vraiment de m'excuser
Je suis obligé de faire cette manœuvre parce que je voulais surtout n'en partager Nabino écran Nangaï. Écran ya ordinateur Nangaï pour que beaucoup kako komona caméra seconde boy ko baluka te ko baluka. OK. Préparation nanga yangoyo. Yanga yangoyo dans le sens que bomoni impact des ressources naturelles du Congo sur la technologie et l'économie mondiale. Nga wabino Georges Alula depuis Washington. Alors toko meka ko ko sala quelque chose. Omoni isolo la biso lelo ezali pandémie du coronavirus. Pandémie oyo e bouge mokili mobimba. Na lingina sola na bino pandémie ya coronavirus impact sur le plan économique et social dans le monde, les mesures d'hygiène et sécuritaire, l'impact de la technologie dans la gestion de pandémie. Congo fournisseur, Congo pauvre, comment faire le confinement quand on est dans la famine? Impact il y a coronavirus et imposé ba penseur, ba grand leader, yako banda ko loba ke lokola tokangi ba frontière. Lokola biso bana bazo ke nous a pour les parents qui sont pauvres aux États-Unis. Les écoles organisent les ramassages de nourriture, ramassage la distribution de nourriture pour les élèves de 11h à 13h au bana bazawoli na ba cantine scolaire. Alors na lisolo na biso lelo na lobby to poser ba repère. Posons des repères, n'échange na biso. Pour tout se comprendre, n'a abordé, n'a dit qu'il y a quelques notions importantes à comprendre et à intégrer. Que voit-on quand on nous montre un verre à moitié plein ou à moitié vide? Le cycle alimentaire, le cycle de vie, il y a produit, et zandengenini, cycle à vie nabiso. La fermeture, il y a ma frontière européenne, est entraînée. Immigration et bah centaines de milliers d'Africains ont bah se noyé dans la Méditerranée. Y a-t-il une conséquence sur la perturbation des assiettes de poissons pêchées en Méditerranée? Pourquoi l'Italie a été énormément aussi touchée alors que l'Italie est à Moussika na Chine? Bandeko. Oyo bozomona. La bandina, accident à la centrale nucléaire à Fukushima. Bota la image pour nous partager nabino quand même quelques moments dans l'écran Nangaï. Alors, dans l'accident, image à accident à la centrale nucléaire dans le Japon. Chacun de nous, dans son coin, a conquis qu'on s'imaginait que comment bah débris y a centrale nucléaire tôt accident centrale nucléaire na tsunami ou ça y a qui na Japon, comment bah débris et quoi na Japon ti et y a na côte ouest y a États-Unis débris bomoni centrale nucléaire y a mona Montepeli et Panzani bah débris et bandi qu'on voyageait. Bomoni ndenge ba voiture kota ki na ba ville. Bomoni oyo eza radioactivité, c'est-à-dire que l'air central est Panzani oyo ya rouge na jaune wana eza degré ya radioactivité oyo ekoti na kati ya mai. C'est-à-dire eza la chaîne alimentaire na ba mbisi na ba nini ba subir conséquences ya accident wana.
Bolobananga lulu ozo sala makambo yo lokola oza ko enseigner na université mutu nyoso eska o comprendre non mutu soka comprendre te ba couleur rouge na banini mayo kana lisolo ke débris ya tsunami euti na Asie na Japon ti na océan na Californie na États-Unis. Pour certains, ils ont 2 ans. Pour certains, ils ont 18 mois. Mais débris et outils, ils ont été au Japon, en Californie. Alors, na lingi, tout se comprendre. Au moni, chaîne alimentaire. Oya mokili. Yangoyo. Moi, soleil. Et beti na ba plante. Mboula ekweye à nourrir ba plante. Ba sauterelle. Magorodo. Sauterelle ba le ba ona magorodo. Magorodo ba le ba ona nyoka. Nyoka ceux qui ba prédateur o ba ko lia nyoka nini nyoka moni épervier azolia nyoka l'air ya ko pola a se décomposé a comme champignon. Ça c'est le cycle ya ndenge to vivre na mukili relation entre biso na banyama soko comme na mayebo biso to le mayebo biso peso to kufi to zongi na kati ya cycle wana. Oyo ndenge corona ebeti mokili bomoni quantité na Asie na Chine place outi bomoni rouge na Italie États-Unis pe awape ebandi kotoka question otuna kinga il y a un déséquilibre. Aucun continent n'est épargné na pandémie mais ba pays riche va prévoyer qui va solution pour prendre soin des démunis. L'infrastructure est allée. Parfois insuffisante, mais solution alternative est allée. Bissot va pays pauvre. To copier ma solution est inapplicable dans la fonction. Il y a où est Bissot aux Anamo. Et là, on a insisté, on a dit qu'il faut au Kabola. Où est allée? Vie à mon tout botamaka, introduction. Gros fouana, tozo kola. Tokomi na maturité. Age poussani, tokomi ko décliné. Kimo bangye ye. De la même façon, Paul Kagame ayaki, à Koti, en 94, à Bandiko Sala, Yewana, a komi na phase de croissance. A leki na maturité parce que mon kilesen dimiye. Bah, continuer au bangaye, faut bah y baquer Paul Kagame à côté déjà dans la zone rouge. Bah, ben y a une zone à déclin. Tolobaka, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ceux qui boutent bah nos côtés à 18h, na introduction, na grove, boutent makasi. Na katika tia boutent sous makasi. Pembe ne va tongo bah 4h du matin, moi et bandi ko récupérer espace. Y'a moi la tongo et tana ka toujours. La partageur est parce que mutunyo soto ya zo régné azana zone ya rouge ya jaune ko régné pesi la au côté na zone ya rouge les Zaïr to bataki 1974 to komi na sommet to komi na couleur na zone ya rouge ya jaune déclin bandi na 1980 mandé to komi na place to komi na. Alors beaucoup qui ko se poser la question. Est-ce que lien est entre accident et centrale nucléaire, na maille et océan, na ba débris, c'est ce que j'ai démontré na première partie, il y a introduction, il y a l'isolon abisso. Alors,
Mokili, ba domaine et belé la Mokili est interconnecté. Mes chers amis, partagez encore un peu cette vidéo pour Tokokako toucher ba te belé na ba groupe, bossa la ba live streaming pour Ekokako ko aider biso ya ko propager message na biso lelo par rapport ya situation o tozanango na mikolo na moment oyo. Ok, un instant. Donc, interdépendance et économie mondiale. Awa, bomoni, comparaison sur le plan social, sur le plan ya consommation, sur le plan matériel, sur le plan ya indépendance, sur le plan ya interdépendance, ndengenini, tozali connecté na mokili, ndengenini mokili zo dépendre pe na biso. Na sali vidéo oyo live oyo un peu technique pour na biso diaspora toza espoir ya mboka. Bande kona biso, il y a des choses qui savent faire, il y a des choses qui ne savent pas faire. On y coronavirus, ba pays très riche. Baza ba solution na bango. Ba pays pauvre, pays avancé, ba Zolanda. Biso va pays pauvre. Situation na biso zandeni. Avec oyo bozomona nde mokili ya bato ba Hollanda biso. Bato ba Hollanda biso bako ko sala attention na discours ni toza nango. Discours ni toloba. Ce qui est sûr, l'économie du monde est bloqué. Na lingi bandeko bo pesanga moi réponse. Ceux qui coltan ezala kité téléphone portable lingi ezala té. Na minute oyo. Sans téléphone cellulaire. Sans ba caméra. Sans ba fibre nini oyo technologie oyo Congo et permettre mukile disposer nango. Qu'est-ce qui allait se passer pour protéger les gens contre la pandémie? La pandémie, il y a coronavirus. Donnez-moi quelques réponses, quelques pistes. Potoyeba, sans coltan ya Congo. Donc il faut comprendre ce que le col à Bango, to zongeli na ba frontière, chaque pays est zongi na kati ya frontière nango. Fermeture ya frontière ya Congo na Rwanda na Uganda bako kende kozwa coltan ya ko raffiner na Rwanda wapi. La fermeture de frontières du Congo à cause de la pandémie va arrêter la chaîne d'approvisionnement ya coltan usine na bango batie na Rwanda et ko fonctionner na nini. Usine na bango o bache ya coltan na Rwanda et ko fonctionner na nini. Usine ya production ya ba voiture électrique to ba batterie électrique na Chine soito kangi frontière pandémie ezali ba ko sala ngona nini. Est-ce que ba usine o ba installer na bamboka na bango et ko cela team ko le pandémie aussi la Chine? Non, les gens sont en train de tirer les leçons de ce qui vient de se passer dans le monde. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Toujours vivre Perodia et prix qui croyait prendre. J'ai entendu parler de solutions. Namela Congo Bolona Bomwana. C'était comme une période, comme une séquence. Namela Congo Bololo. Namela Wilderissa. To viva na Congo et pompa. Système ya ko pompe. Banda kounyo se zaki ko subir e pompa. C'est-à-dire, po to moni na chinois bazo sala, to sala ngon na Congo. O ya ko kisa oboma bangungi. On l'a fait ça à Kinshasa. Il y a encore des gens qui sont vivants, qui ont travaillé dans ça. Je salue en passage un de mes papas
Mokile Pesaka, docteur Antika, qui était PDG il y a DCMP, Oyazaki, en charge il y a un pompa, na Kinshasa. Pour la santé, il y a population. Dieu merci, il est encore parmi nous. Il m'a offert sa maison, la porte était ouverte. Je reviens sur l'histoire de ce que nous avons vu en Chine, en train de désinfecter toute une ville. Wuhan a été désinfecté à la main, aux machines, par robots, par nini. Tout le monde voit les images. Et si je vous montre cette cassette qui me donne la musique que j'ai là, sur le téléphone. Quand on dit pourquoi la Chine, un des pays qui bénéficie, qui profite des ressources naturelles du Congo pour faire tout ça, combien nous donnent-ils? Ils viennent au Katanga, ils prennent. Ils soudoient tout le monde. Corona et Kouéba, on va dans des super hôpitaux. La Chine est plus équipée que les États-Unis. La Chine est plus équipée que les États-Unis. Je vais vous raconter une petite anecdote. Merci, chers amis. Continuez. Faites-moi plaisir. Partagez cette vidéo. Vous ne m'avez pas vu pendant longtemps. Na lobaka lobaka lisusute. Na lingina occasion oyopo na sola na bino na yo kabino na mona échange pour tous se comprendre. Je pourrais dire paix à son âme, Abbé Malumalu. J'ai passé 5 heures du temps de discussion avec lui quand cette histoire de la Chine a commencé, ici à Washington. Il savait que j'avais, dans mon éducation, dans ma formation d'ingénieur chimiste, Naye Bindegenini, Tokoiko Zoazelo, Tosali Analyse, Tolobi, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de l'or, du platinium, Baprodunio, Sotoué Zanakat. Il m'a vu faire ma prestation lors des élections présidentielles de 2006. Abinanga, docteur, il faut que tu viennes. Abi, pourquoi? Abi, parce que les Chinois nous ont demandé d'avoir des laboratoires congolais pour faire les analyses des matières premières qu'ils sont en train d'exporter chez eux pour que nous puissions connaître la valeur. Abi, il faut me faire un contrat quand vous partez et quand vous allez revenir. Et disons, quand vous partez, vous me faites un contrat. On regarde les modalités. Comme ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui sont dans les délégations présidentielles qui viennent et qui partent, on peut faire un projet, mais ça reste juste l'État à Massolo. Et quand ils sont rentrés, c'est oublié, ça n'avance pas. Donc les Chinois, au départ, avaient l'idée que les Congolais, boya, boya, ça biso valeur, il y a marchandises qui tiennent à camion. Valeur, il y a marchandise, il y a un camion, il y a un nini. Comme ça, biso, l'air, il y a un kende, total, il y a un tofuti bino. Mais ce que je suis en train de dire, qui est le Congolais qui va le faire? La file des camions qui sortent avec les matières premières du Congo, dès 3 km, il y a un camion, il y a un nini. Et chaque camion a des tonnages, 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes, il y a matières premières à Congo. Vous transportez les poids de l'Afrique, poids, il y a matière première, en Chine, avec des bateaux qui partent dans l'océan Indien. Et pourquoi il y a eu tsunami en Thaïlande? Ce qui kilo et l'équipe, et l'autre chose, c'est Boukani, boum, tsunami. Ce qui kilo, il y a maï, il y a des tonnes, il y a des produits en Afrique, il y a des nazis. Et que Bouka, ma belle, c'est à ma belle, et ça comme camembert, le col à fromage, et ça à ma douceur. C'est pour ça que vous voyez des phénomènes naturels se produire. Oyo, à l'œil, ni personne ne peut voir une corrélation. Oh, à l'obi, relation in la coltana corona. Quand il y a eu le feu en Australie, vous savez, qui connaît la justice de Dieu? Les Anglais sont partis en Australie, baumbu, boutique ba wana zamba, bino botongi ba immeuble ki toko, ba nini ba plantation ya bino tout et tout. Et ce qui a brûlé là, qu'est-ce qui leur est resté dans les mains? Qui a échappé? Qui a échappé na ben incendie salami na Australie? Qui échappe na ben incendie salami na Californie?
il y a une certaine justice divine que Dieu demande aux hommes entre nous de nous rendre justice. Pour que ce ne soit pas que les uns, nos enfants aux États-Unis, pour ceux qui n'ont pas de moyens, ils vont aller chercher leur pain, la nourriture qui sont fournies dans leur cantine de 11h à 13h. Les gens qui ne vont pas aller au travail, ils vont aller au chômage et ils seront payés. Les gens qui ont des difficultés pour payer leur maison à cause du chômage forcé, ils vont recevoir une compensation. Laissez-moi vous dire, je travaille à la Croix-Rouge américaine, au siège, à la présidence de la Croix-Rouge. Quand j'annonce à une communauté, je dis, il y a ça qui arrive. Mais entre bisous, on peut se lever et dire, oh, mais de quoi tu parles, etc. Je ne voulais pas dire que je travaille à la Croix-Rouge. Depuis un an, je ne voulais pas le dire. La préparation que la Croix-Rouge fait pour préparer les désastres naturels, c'est toute une science. C'est toute une chaîne. À la Croix-Rouge, il y a des gens qui s'occupent des santé mentale. Mentale, il y a pas tout. Moutsoka perte nyoso a ozwa di boma. Soki banaba koufi, combien batik atkali yemoko. Tout ça, ça rend malade. Ça se prépare. On sait que le coronavirus arrive. Est-ce que le gouvernement congolais a fait des provisions dans le supermarché nyoso tous les ans à Kinshasa pour dire que biloko yango yo, kote kalisute, na okabolango. Boye na carte d'identité, to carte d'électeur, ba enregistré yo, ba pesi yo carton et sardine, to ba pesi yo loso, oyo olambe la bana. Ça se prépare. Ça ne s'improvise pas. Je sais qu'à travers la diaspora congolaise, toza na ba spécialité nyoso, otoko tele misala mokili. Aujourd'hui, je parle sur une situation générale. Je ne parle pas contre le nouveau président de la République qui est arrivé il y a un an. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la conséquence, les résultats de la mégestion du désordre qui règne depuis le départ du maréchal Mobutu. Ce sont les conséquences de cette mégestion. Mes frères et sœurs, mes compatriotes, les amis, vous qui suivez le temps que j'ai pris, vous avez vu que Olé, que Nayako, Sal Labino, live, Nalak Sabino, qu'est-ce qu'il faut, où est-ce qu'on en est, Nasali, présentation, na PowerPoint, parce que Nayebi, que Batuoyo, Batale Lakabiso, Bako Zwango, Bako raisonner autrement. Il faut amener les gens à raisonner autrement. Oui, aux États-Unis, il y a des gens, des salauds, comme partout, mais il y a aussi des gens de grand cœur. Qui disent, mais c'est aussi libre à disposition, bon, en Afrique, bon, ça en est. C'est aussi le moment, on a vu des hommes politiques français qui disent, les contrats léonins que vous faites, vous êtes en train de signer, vous faire signer en Afrique. Les contrats léonins que vous êtes en train de faire signer en Afrique, il faut arrêter. Laissez-moi partager mon écran encore. Coronavirus. Yangoyo. Point fort. Ressources naturelles y a Congo. Opportunité. Développement technologique. Bah préparer bah infrastructure na bango. Pour la qualité. Contre pandémie. Sokeye. Modèle y a développement. Au monde des autres fonctionnaires nango. Et ça a déséquilibré. Il n'y a pas d'équilibre entre les riches et les pauvres. Conséquence, modèle, il y a business. Vous voyez, vous recotez matière première à Congo, vous mettez en Chine pour créer la richesse. Dans le Congo, il y a la guerre, la maladie, la violence. À partir de la contrat, vous salissez ça, et ça a équilibré. L'impréparation et ses conséquences. Bande Kolanga. Potopoto na wenze, salité. Ba hôpital malongé zate. Ba bar. Eza insalibre.
Batubana nzala. Mai, eau potable. Comment boire de l'eau constamment? Comment se laver les mains constamment? Système de transport dérisoire. La population se tasse. Parfois, tu as plus de 10 personnes dans une maison de 2 chambres. Le taux de chômage. Taux de chômage, Bakuluna, Bachege, le Ujana, la dépravation des mœurs. Absence totale de l'industrie. Mandekonanga. S'il vous plaît, je vous demande parce que j'ai vu que Mikolo, tu vas participer dans la et ça va monter le nombre de mat. Nous avons besoin de combattants, de coutants qui n'ont pas de bango, de bunda, de bango, de tambour, de bango, de balabala. Odombo, show off. Yo, Mutumosi, boy binga. Nani susu, bandi ango. Boketu. Bon partager vidéo et po boebi masolo boebi masolo na kota kana ba live na bino na lingi bo partager na limitant on a bato na otanga ba kombo te po na tangi kombo ya bato na zo mona ke mokili zo tele me la bang zo tele masoki ba zo loba. Ils ne viennent pas tous pour insulter. Je veux dire quelque chose. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons un frère qui est encerclé. Nous avons un frère qui est encerclé, qui ne sait rien faire. Quand on est encerclé, quand on est pris en otage, ce qu'on peut faire est totalement limité. Ce qui se passe à Limité, alors que le président de la République vient de Limité. Ce sont les gens qui oyo bazako poussé cocotte minute bazako poussé cocotte minute bazako poussé peuple à rejeter yaye bazako poussé peuple à ça l'avortement il y a changement yaye qui les intelligences ya Congo combien sont descendus. Bah docteur, bah infirmière, bah commerçante, bah maman Zando, bah... combien sont descendus pour contribuer? Combien sont descendus qui ne pourront plus jamais revenir? La radio TV Bendele, Torenia qui n'a pas besoin de ça, il y a combat. Et Pafra, c'est parti. Dans quelles conditions? Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? On t'appelle, oui, mais Georges Alou, là, tu devais être là-bas. Oui, je vais être là-bas, mais comment? Dans quelles conditions? Les gens ont abandonné leur business. Vous imaginez un médecin avec 400, 500 malades au Canada qui s'occupe de 500 malades, 500, 800 malades. Il part au Congo. Le loté lobby. Ce que les musiciens ont fait à tous les gens qui les ont chantés à l'extérieur. Ceux-là ont fait ça aussi aux gens qui les recevaient à l'extérieur. Ceux qui se baladaient avec eux. Tu prends l'exemple d'une personne qui t'amène là où il faut. Là où il faut, dans la chambre du pouvoir, qui t'a permis d'arriver là où tu es. Il passe du temps à Kinshasa. Barrage. Il n'a pas vu Mokonzi. C'est lui qui connaît, c'est lui qui a un carnet d'adresse qui pouvait vous aider à sortir de cette piège. Vous empêchez la personne de parler avec celui qui est le président. Vous savez, quand on vous tire dessus et que quelqu'un est à Tindikio, le temps se rendre compte. Dis ça c'est le qui choix. Au so bandagi déjà. On t'indique qu'il n'a rien à dire. Non, dis ça c'est le qui choix. Au comme merci. La situation du Congo telle que nous sommes en train de le vivre. Est-ce que la personne qui est à la tête c'est celle que
Moi, je vais critiquer aujourd'hui, je ne vais pas les critiquer. Je dis que la situation dans laquelle ils se trouvent, d'autres diront oui, oui, oui. Non, non, je ne suis pas dedans. Je dis simplement que pandémie à coronavirus, ils en ont la corrélation et belé. Corrélation, Yangoyo, ma corrélation. Congo, matière première. Coltan, cobalt. Tozu, coltan, kakayapamba. Téléphonie. Sans le Congo, il n'y a pas YouTube. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas Facebook. Sans le Congo, il n'y a pas Instagram. Mes enfants, nos enfants, essayez de comprendre que sans le Congo, il n'y a pas... Facebook, il n'y a pas Instagram. Demain, on pense aux véhicules électriques. Là aussi, on se pose pas la question comment les Congolais vont faire. Non, on se pose la question comment venir prendre le cobalt et faire des véhicules électriques qui vont rouler dans le monde sans chauffeur. On se demande comment l'intelligence artificielle fonctionne. On se demande comment cette guerre économique électronique de cyberattaque. On n'envoie plus les militaires sur le front. On se demande même pas comment l'industrie de la défense prospère. Et tout ça dans un pays pauvre qui est la RDC. Bandeko. Je pense que ceux qui ont osé me dire que Georges Alula, tu as perdu la tête. Quelle relation il y a entre le coronavirus et le coltan? Le coronavirus et le coltan? Le coronavirus né en Chine, distribué dans le monde. Aux États-Unis, il est arrivé en Californie. La relation entre la Californie et la Chine, c'est simplement l'océan, l'eau de l'océan. Les poissons qui sont irradiés avec de radiation nucléaire, c'est là qui est au Japon, va subir déjà la mutation. Comme en Californie, ils ont des maladies, soit cancer, soit un coronavirus, pour dire que le coronavirus est un marché des poissons. Ce qu'on a dit, marché des poissons. Des centaines de milliers d'Africains qui sont tombés dans la mer Méditerranée. Les kawapi. Dans ma boumoua, ba baleine, ba sumba, banani, ba sumba, ba nzoto abatou, ba mbisi, om sou ya nike, ba le, ba pêcheur, na ba bateau na ba mwa minene, ba pêcheur, ba mbisi, ba kotisi na marché, to sepeli, marché ya nini, ya Rengis, ezui ba mbisi, ba marché na Italie, nyo sobazo ba mbisi, mais ba mbisi ba za empoisonné. Par des centaines de milliers d'êtres humains. Vous savez, il n'y a pas quelque chose de dégoûtant que de voir les gens dans la canonnière et puis quelqu'un venir trouer les pneumatiques. Kotobolango pobat bazinda. Enfants, bana, tout ça. Le monde a vu ça. Nous avons fait circuler les images. Chers frères, vous venez parce que Ozali, camarade et ministre, parce que tu cherches quelque chose que tu pouvais avoir par d'autres moyens, tu viens dire que Georges Alula, tu tombes de la tête. De quoi tu parles? Tout le monde s'est levé pour dire comment est-ce que Georges Alula peut dire que la diaspora congolaise est la plus puissante au monde. Nous sommes les plus puissants au monde parce que nous avons près de 10 milliards à nos frères et sœurs. Nous sommes près de 10 milliards à envoyer de l'argent à nos frères au pays. Vous m'excusez. Nous envoyons plus de 10 milliards, plus que le budget du gouvernement. Toute cette corruption qui est en train de régner, qui ne permet pas aux investisseurs d'apporter leur investissement dans un pays où la corruption gangrène,
La corruption gangrène. J'ai fait ces lives pour échanger, éclairer notre communauté, notre peuple, pour que nous ne restions pas seulement dans le désespoir de qu'est-ce qui va nous arriver. J'avais parlé, j'ai été interrompu, de la diaspora congolaise la plus puissante au monde. Ce n'est pas nous, ce n'est pas Georges Alula qui l'a dit. Nous avons été interpellés au département d'État en 2011, lorsque nous avons fait les marches simultanément, Banane Australie, Eyena Napoto, Belgique, France, Angleterre. Les mêmes jours, décalage horaire, nous on a pris Canada, États-Unis. On a dit qui ont organisé ça. J'étais une des personnes au cœur de cette organisation, avec d'autres qui sont déjà en fonction au pays, avec d'autres qui prennent de l'importance dans leur domaine, l'éveil patriotique. On était tous ensemble. Et j'ai été interviewé par CNN. Et j'ai été appelé pour expliquer. Vous avez vu mes photos avec l'ancien gouverneur. Je ne vais pas citer son nom. Comment se fait-il que vous êtes la diaspora la plus puissante au monde? En nombre, combien de pays au monde ont plus de 8 ou 5 ou 6 millions de personnes na Libanda? Combien? Il n'y a pas 2 millions de Rwandais? Il n'y a pas, les pays les plus... Est-ce que les Indiens qui sont ici aux États-Unis ou les Chinois qui sont aux États-Unis sont devenus des Américains? Mais nous, la diaspora congolaise, nous sommes la diaspora, nous avons quitté le pays pour une raison ou une autre. Tobotipe na Libanda. Donc le nombre de personnes qui représentent, qui sont comptées dans la diaspora congolaise, il n'y a aucun domaine d'activité technologique, médical, service, ou au Congolais azaté. Vous savez, moi je trouve ma fierté quand les autres réussissent. Quand il y a des vidéos qui me font fermer la bouche. Oyoki vidéo Muninga Nombala Sali azo expliqué Congo Bololo dans toutes les langues. Tu restes là, tu dis, mais quelle étude il a fait? Mais quand ce monsieur a fait une première réponse à Claude Hussiard pour le concert de Fallé, je dis, quels arguments solides ce monsieur utilise? J'ai vu la vidéo d'une jeune fille, elle doit être en France, qui explique la disparité entre les mesures de coronavirus en France, en Europe, dans nos pays, et ce qui se fait à Kinshasa. Il a dit, nous ici, on a les allocations chômage, on a les allocations familiales. J'ai vu les images, avec tout le respect que j'ai pour elles, des prostituées qui se disent, mais comment on va travailler? C'est là que vous vous rendez compte que oui, il y a des prostituées dans le pays qui vivent de ça. Quelle mesure sociale? Dans certains pays, la prostitution est interdite. Dans certains pays, la prostitution est interdite. Au salon, on a libandaté. Chez moi, c'est dans la rue. Alors, imaginez, on avait des enfants qu'on avait chassés, qui étaient des chégués. Les chégués ont grandi, ont eu des enfants dans la rue. Autorité morale. Autorité morale. Pendant 18 ans, les chèques sont devenus majeurs. Les diplômés au Congo. Il n'y a pas de travail. Dans ces pays, je vous ai montré les corrélations qu'il y a entre les différents points de la vie. J'avais trouvé une carte que je n'ai pas voulu utiliser parce que ça aurait fait trop compliqué pour que Moutounou soit à comprendre.
Mais moi, j'invite les intellectuels congolais que nous commencions à nous préparer, parce que la préparation du demain, elle est obligatoire. La préparation du lendemain est obligatoire. Nous ne pouvons plus continuer à aller comme les Ngoulou. Ah, changement de régime, Tokéi, Moutoulam, Moutoulam, Oyaye. Non, 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 non. Non, 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 non. Bah, médecin, bah, Ebani, les groupes de médecins, des cardiologues, des anesthésiologistes. Vous me direz, oui, après 12 millions de morts, il fallait bien qu'un groupe de Congolais se lève dire que Toké nan kuna tosa ta un mois tozo opéré batou gratuitement. Kudo. Mes amis, je ne vous citerai pas, mais vous allez vous reconnaître. Nous avons des avocats, nous avons des parlementaires, nous avons des hommes d'affaires. Je salue en passant Eric Moulalo qui a publié quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, j'avais un domestique et je donne 5 dollars par jour à ces domestiques. Dans cette maison, il y avait un lavandier, une sentinelle. Et sur les 5 dollars, il dégrainait, il se partageait. La sentinelle avait sa femme au marché. Olimbisa Eric, c'est pour dire que je vous lis, je vous suis. Ce qui est bien, je prends. Essayons de faire la même chose. Quand quelqu'un découvre que, ben écoute, ça crée une bagarre. Et c'est là que le monsieur dit, je fais une augmentation de salaire. Quand quelqu'un va lire ça, il va dire, il est contre le régime. Non. Quelle est la leçon à tirer dans ce que l'autre a écrit? Quelle est la leçon à tirer dans ce que l'autre a écrit? Quelle est la leçon à tirer dans les vidéos de Boketchou? Quand il insulte, on sait que ça, c'est une insulte. Mais quand il dit que oui, là, le pays va mal, est-ce qu'il dit la vérité ou pas? Qu'on nous montre les marchés, même les sols, potopoto, est-ce qu'on fabrique? Est-ce qu'on on vend une mauvaise image du pays? Une mauvaise image du pays, ce serait un tableau fait par notre frère, que son nom m'échappe ici, qui fait des tableaux. Vous faites un tableau, Olaxi Batubazo, t'es quand même le sol, ou bien bus c'est abondé, ça c'est un tableau. Mais Otozozoa, et ça va photo. Photo, réalité. La réalité de chez nous, si tu ne regardes pas la réalité. On tue à l'Est. On nous tue à Beni. Les photos de personnes découpées dans les accidents à Kinshasa. Oh, c'est trop choquant, Olaxi Ngangote. Waouh! Mais voyez, Vandéenine, que chez toi ça ne va pas. Comment tu vas savoir que dans ton pays, ça ne va pas? Et demain, tu peux avoir rendez-vous. Tu ne sais pas avec qui tu travailles. Barack Obama et Joe Biden, celui qui peut devenir demain le président des États-Unis, ont fait le voyage au Congo parce que la fille de Joe Biden est venue avec la photo des victimes au Congo pour dire « Papa, c'est ça que vous appelez la coopération ?» C'est ça que vous appelez grande puissance? C'est quoi ces femmes-là? Et papa, si c'était moi ta fille à qui on a fait ça, tu allais faire quoi? Le monsieur a coulé des larmes. Il a dit à Obama d'organiser un voyage. En tant que sénateur, ils sont partis tous les deux dans Congo, dans Kivu. Vous ne pouvez pas négliger aujourd'hui le discours que nous devons donner. Le coronavirus est en train de nous apprendre c'est quoi. Lorsque vous allez prendre les matières premières au Congo, Bokoyiko même la biso ba montagne nyon so yakin, ya mboka na biso, boke o memange pa na bino, e ko buka mabelo place boza. E ko buka mabelo place boza li. C'est quoi la guerre qu'il y a en Italie? Ce que j'ai dit, je dirais paix aux âmes de tous ceux qui ont perdu. Je suis de tout cœur avec eux. Mais que ceux qui sont restés, qui prennent de bonnes décisions, s'ils comprennent que ce que je viens de dire n'est pas utopique, la chaîne alimentaire aquatique dans la mer Méditerranée a été bousculée. Combien de poissons mangent les êtres humains en grande quantité? Combien? Combien de poissons? Vous pensez simplement parce que tout le monde a dit, image, les corps ont été rejetés, mais bon Dieu, on ne rejette pas tout. Il y en a qui sont restés dans la bouche des baleines.
Je ne peux pas faire cette vidéo-là sans penser à quelqu'un comme Kémi Séba. Je ne peux pas dire que Kémi Séba, c'est un garçon. Ben écoute, c'est la nouvelle Afrique. Et derrière Kémi Séba, il y a d'autres qui sont en train d'arriver. Encore plus féroces. Mais vous qui me suivez, vous savez très bien que les réseaux sociaux ont une puissance impossible. Si demain on ne parlera plus de France CFA, c'est les réseaux sociaux. Si demain on ne parlera plus de France CFA, c'est Kémi Séba. Les gens nous ont mis dans une situation, je pourrais dire, très embêtante. Nous avons vu que coronavirus en France, tous les spectacles ont été annulés le 29 février, c'est-à-dire le lendemain du concert de Fally. Pourquoi avoir risqué les musiciens congolais, la diaspora congolaise? Vous saviez qu'il y avait une pandémie, une émergence sanitaire qui est arrivée, une alerte sanitaire qui est arrivée, vous le saviez. Vous avez laissé les Congolais se réunir dans Bercy, nos enfants, nos jeunes enfants qui ont été dans Bercy. Et dans Bercy, là, il y a des gens qui ont le coronavirus. Je vais dire quelque chose qui va choquer certains d'entre vous. Je l'ai dit ici au début, j'ai dit qu'il y a beaucoup, dans ce qui nous concerne, beaucoup de épris qu'ils croyaient prendre. Avant de parler de ce qui s'est passé le 28 février à Bercy, j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai vu les enfants. Ce sont les enfants de nos enfants. J'ai vu, au début, quand j'ai vu Francis, F6 Nanga, alors là, ça tiquait quand on compte à la Bercy, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, ce garçon? Et puis, il a dit, non, je vais vivre ça là. Et puis, il sort de là, il fait un report, que de très bonne qualité, qui m'a permis d'avoir une image de qui était dans Bercy. Mais ce que j'ai prévu, moi, de mon côté, c'est de faire ces lives-là avec cette tranche d'âge des jeunes Congolais qui étaient dans Bercy. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à dérouter tous les barrages? Quel réseau de communication ils ont utilisé pour que Bercy soit aussi plein? Comment est-ce que Bissonanda Koutou communiqué na Banaté? Oui, Toko Lissibana. Mais comment, dans quel moyen, comment est-ce que nos enfants communiquent? Mais je pense que les enfants qui étaient dans Bercy, qui ont été au concert, s'ils voient les images des dégâts, des incendies causés dans ces quartiers, les prochains concerts, si c'était le mois prochain, ils n'allaient pas rentrer. Beaucoup, ils allaient faire, maintenant, ils vont vraiment faire attention pour dire que, why? Pourquoi ça? Ah non, parce que, vous savez, j'ai lu quelque part que les insultes viennent de la colère. On vous conseille de ne pas vous fâcher, parce que lorsque vous êtes fâché, c'est les insultes qui montent en premier. Allez demander à quelqu'un quand j'ai écrit les livres sur les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo, j'avais pas autant d'images. Je pleurais quand je voyais ces images. J'ai écouté on m'a envoyé les audios, les témoignages des femmes violées à l'est de notre pays. Tu peux demander à une mère de pendre sa fille? Demander à une maman de pendre ses propres enfants? Ce qui s'est passé à Paris est déplorable. Les gens vont chercher des responsables. Heureusement que nous ne nous appelons pas Al-Qaïda ou quoi que ce soit, pour que vous puissiez dire que ce qui est le patron d'Al-Qaïda, vous allez les chercher, vous allez les buter. Mais là, c'est qui le responsable de l'incendie? Qui l'a vu? Ah, il faut qu'on se parle. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Ah, vous êtes... Non. D'abord, George Alula vit à Washington. Quand tout ça s'est passé, les gens qui voulaient coller, oui, mais comment vous pouvez supporter la violence, etc. Non, mais attends, vous vous moquez de qui? 12 millions de morts.
C'est les familles de ces gens-là sont en train de vous dire, arrêtez, demandez à Paul Kagame d'arrêter de nous tuer. On nous envoie 1400 personnes. 1400 personnes rentrent dans ce pays juste comme ça. Des chairs à canon, fabriquées par Paul Kagame. Où on s'est venu. Vous prenez 1400 personnes, ils ont été briefés, ils arrivent tous sans carte d'identité. Demandez l'asile. Dans quel pays? La MONUSCO. La MONUSCO paye les gens qui viennent couper les têtes des gens. La MONUSCO paye les gens. Les gens qui comprennent les Swahili, on y a ça sur qu'ils. À tous ces jeunes qui bravent, qui disent, qui résistent. Comment la MONUSCO ne peut pas quitter le Congo dans les conditions actuelles parce que Bazobi Kanango, certains n'ont pas 100 dollars de salaire dans leur pays, vous leur payez 1200 dollars. Basali ba magasin. Baibi ke soki ba longa na Kinshasa kope sili. La MONUSCO fournit des armes aux tueurs. On nous a payé combien? 400 dollars, Twende de Kuba, Chanja. Ah! Bon Dieu! Avec ça, on nous demande de nous taire. Des militaires, des généraux congolais ont été sacrifiés à l'est du pays. Par centaines. 450, ils sont partis là-bas, fausse guerre, bam, tourner, bomi. Nous avons frappé sur les Rwandais en 89, en 91, en 93. L'armée congolaise. Le général qui vient de mourir avait la même position, Kayimbi, la même position que Paul Kagame avait en Ouganda. Bao, la Kabila. Bayebela, parce que ce que a commis au Bangayo, combo na yo prochain. Kayimbi pouvait, en cas de choc Nakin, pouvait prétendre prendre la place de Félix, ce qui n'arrangerait pas Kabila, parce que Kabila est égoïste, il veut sa place. Où est le corps de Kayimbi? Le patron de renseignement extérieur a été liquidé. FCC. Vous n'êtes pas des porcs. Bangoulou ne basaka na ligne, na abattoir. Chacun attend son tour. Vous m'excusez ce langage. Mais je dirais que personne ne viendra vous sauver. Tirez une leçon. Il n'y a pas d'avion pour sortir de Kinshasa. Air France ne vient plus. Air ceci, Air cela ne vient plus. Vous avez vu l'ironie du sort na live oyo. Na meki ko montré ba relation ninyeza dans la vie que nous menons. Je dis toujours que tu ne peux pas faire une porcherie dans les pays musulmans. Balia kangouloute. Vous êtes dans une situation où enfermer les gens. Je vous donne un conseil technique. Ici, dans les pays développés, lorsqu'on dit aux gens de se distancer pendant 2 semaines ou 1 mois, il y a distance. La maladie tombe. Parce qu'il y a la distance. Dans notre pays, il n'y a pas de distance. Et puis, il n'y a pas de paramètres de mesure. Il n'y a pas les éléments pour mesurer. Épidémie est matière qui dit. Aux États-Unis, nous sommes en train de le suivre. À chaque minute, nous connaissons le nombre de morts. L'armée américaine est en train d'occuper New York parce que c'est New York où il y a beaucoup de cas. Ils se disent que ce qui continue comme à nombre, il y a des malades, il y a des décès. Togotia couvre fait dans New York et l'armée, pourquoi? Parce que l'armée va protéger les magasins et les biens des gens pour que bah, pillage et salamaté. Est-ce que vous êtes en train de faire ça? Vous savez, j'ai écrit, j'ai fait une vidéo en 2011, après que Kabila a usurpé la victoire d'Étienne Tshisekedi. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Joseph Kabila reconnaissait
la victoire d'Étienne Tshisekedi, il y a une vie après la présidence. Je sais que le président Kabila m'écoute et il utilise mes conseils. Parce que c'est encore à lui, en 2001, à peine arrivé président, que j'ai écrit pour qu'on puisse faire le Parlement de 500 membres plus 120 sénateurs à la présidente du Parlement. Que ce soit Madame Mabundu, qui est la présidente actuelle, Vital Kamerhe, Evariste Boshab, Thomas Luaka, Olivier Kamitatu, qui ont été tous présidents du Parlement. À l'ambassadeur, au ministre, à l'honorable Cheo Kitundu, à qui j'ai présenté le projet. L'ambassadeur Angoulou n'est plus là pour reconnaître que les trois copies que je lui avais données pour lui, Angoulou et Joseph Kabila, sont arrivés à bon port. Le Parlement, Oe Bozan, Angoubo Fandi, Moutoye Binga Azate. Mais c'est très malhonnête. Parce que même un certificat pour mettre sur le mur pour mes enfants, pour qu'ils comprennent que papa a fait des sacrifices, j'ai donné au Congo le Parlement. Des solutions que je donne. Je ne suis pas un imbécile. Je ne suis pas un imbécile. J'ai donné au Congo le Parlement depuis 2001. Ça fait 19 ans. La solution que j'avais proposée, Oleke Bengangana Fanda en face, si Mobutu était là, il allait le faire. Ils se sont tournés autour. Ça a pondu le 1 plus 4. Tous les vice-présidents. Lequel d'entre eux peut même m'écrire une lettre pour me dire félicitations pour les idées. Je vis Zaïd Ngoma avant qu'il ne soit nommé président de la République. Quand je lui ai expliqué le projet, il m'a dit, bon Dieu, on était à Georges V à Paris. Bon Dieu, faites que Kabila vous écoute et qu'il l'applique. Le monsieur en face de moi est devenu vice-président de la République. M'a-t-il cherché un autre dossier? Je reviendrai ici pour tenter de commencer à répondre à vos questions si vous en avez. Parce que le coronavirus, dans un pays où il n'y a pas de préparation, pas d'infrastructure, il faut que ça soit Congo et Bolole, Bélé, Batouba Mela, Banaba Mela. Ba Congo Bololo, ba nini, ba biloko, ba bi otokisi, ba maya, ba manga, ba nini, biloko, na biso, ba mboka, na, il faut faire ça. Il y a des gens qui ont eu l'idée de pouvoir faire des appels de fonds. Mais on voit bien quand on fait des appels de fonds, même dans la funéraille, comment ça se termine, toujours par des disputes. La diaspora veut les changements au Congo. La diaspora veut les changements au Congo. Vous nous avez vus à l'Union européenne parce que la solution économique de 140 milliards pour changer tout dans ce pays, reconstruire notre pays, donner du travail aux gens, 140 milliards. Nous avons la crédibilité pour Mbongwane Bima. Mais on ne veut pas les donner. À qui? À ce système-là? Impossible. Parce que partout où je suis passé, nous sommes passés avec ce projet de 140 milliards. La première des questions, c'est sous Kabila ou pas? Je dis non. Si c'était sous Kabila, il allait venir avec l'idée lui-même. Pourquoi il n'a pas amené l'idée? Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour la corruption? J'ai déjà parlé de ça dans mes exposés. De quelle corruption parlez-vous? De col blanc, c'est autre chose. Mais les gens qui sont en train de demander de l'argent chaque jour aux gens, là, au lieu de travail, pour qu'ils puissent se renouer les deux bouts du mois. Mais vous leur donnez un bon salaire. Parce que Bissoua Congolais, tout ça va être à l'ofundu. Partagez encore cette vidéo, s'il vous plaît. Je ne vous retiendrai pas trop longtemps. Je veux aussi qu'aujourd'hui, je puisse donner une chance aux gens de pouvoir, ceux qui m'ont posé des questions, vous me permettrez d'aller regarder le chat pendant que vous êtes en train d'écrire vos questions, parce que j'ai décidé aussi d'avoir quand même un petit dialogue entre nous. Donc, vraiment merci d'être aussi nombreux en train de me suivre. Je sais que après ça, nous pouvons réellement partager la vidéo pour que les gens sachent que nous sommes. Merci d'avoir été.
Sorry. D'être aussi nombreux en train de me suivre. Je sais que Comment on coupe le après volume ça, ici? bon. Ok, j'ai coupé le volume. Bon, donc je vais essayer de prendre connaissance de vos questions. Je lis ici Charles Christian Bimpoudi. Notre douleur est si profonde que nous ne cessions de nous battre par tous les moyens, voire depuis des années. Oui, Christian, c'est ce que tu viens de mentionner. Je fais partie des gens qui ont pris les rues de Washington, Bruxelles, Paris, qui n'a vraiment pas manqué encore récemment pour Benny. J'étais dans les rues au département d'État, aux côtés de mes sœurs qui sont sorties pour Benny. Maman Veni Kakelani, oui papa, oui maman, c'est Ezapasi, toujours obligé à Kolobelango. J'ai dit à mes sœurs avec qui on s'est retrouvés au département d'État pour Beni que c'est notre devoir parce que les morts ne viendront pas en parler, les morts ne viendront pas se défendre. J'ai vu une question ici, j'essaye de remonter dans les questions. Vous pouvez toujours écrire vos questions. J'ai dit, je vais essayer de voir qu'est-ce qui va remonter comme question. J'ai lu la question de Christian. Posez ma question. Bon, alors, je vois des mots comme c'est révoltant. Oui, nous sommes obligés de nous révolter. Et je crois que pour ceux qui pensent que ce qui s'est passé à la gare des Lions, ça va être oublié, ils peuvent se tromper parce qu'on va utiliser les images de la gare des Lions pour faire comprendre aux responsables que la situation vient de l'ère lentaire dans ce que les Congolais demandent. Les Congolais demandent la fin de l'occupation rwandaise chez nous, l'occupation rwando-burundaise. Nous avons pris, pour ceux qui ont suivi, nous avons pris l'initiative d'écrire à la première société canadienne qui voulait installer cette usine de coltan au Rwanda. Je suis rentré en contact avec eux à partir des postings que j'avais fait nous avons fait même sur Facebook. J'ai parlé avec le PDG de cette boîte, lui faire comprendre que ce n'est pas bien pour les investisseurs dans sa boîte d'aller investir dans l'incertitude. Vous ne pouvez pas investir dans l'incertitude en croyant que demain, vous allez récupérer, les Congo va vous permettre de vous livrer comme vous le pensez. Merci Bin Afilé. Je suis en train de faire ma part. Il y a des gens comme partout, je ne vais même pas citer les noms. Votre commentaire négatif, je vais l'effacer quand ça va se terminer. Donc, vous écrivez des bobards parce que ceux qui bouffent dans les mains de ceux qui vont les tuer demain, c'est lorsqu'ils seront mis à l'écart qu'ils vont commencer à crier et voir l'importance de ce que nous sommes en train de faire ensemble. En tout cas, oui. Congolais Zokufa-Lanzala, alors que dans notre pays, vous imaginez tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons planter chez nous et remettre à cette population la nourriture 3 fois sur la table, 3 fois par jour sur la table. J'essaye de voir que vous avez été beaucoup plus intéressé à m'écouter que de poser de questions. Nous sommes en train de partir dans le sens. J'ose espérer que ce que je vous ai dit a édifié votre manière de voir les choses. La place de notre pays, je me permets de vous rappeler simplement que pour amener la paix dans le monde, c'est l'uranium du Congo qui a été utilisé. Pour que les voitures puissent avoir des pneus, c'est le caoutchouc de notre pays qui a été utilisé avec les mains coupées de nos ancêtres. Pour le cuivre qui a permis au transport d'électricité. Les grands barrages hydroélectriques d'Unga ne vont pas commencer à s'alimenter comme ça. Il faut poser les usines. Il y a beaucoup de choses dans les projets que nous avons déjà préparés où les gens savent que la vérité sont dans nos tiroirs, dans nos têtes. Nous avons la capacité de pouvoir relever ces pays. Nous avons la capacité de reprendre ces mettre fin
à l'occupation rwandaise dans notre pays. Il y en a qui n'aiment pas ces discours parce qu'ils sont en train, ils sont sur la table ou ils espèrent accéder à la table. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis là-bas, qui sont devenus des tambourinettes et qui n'ont même pas été mis dans le gouvernement. Donc ils doivent se rendre compte qu'à un moment donné, il faut la faire basse, quoi. La manière de pouvoir mesurer les gens, la force d'un système réside dans sa capacité de nourrir sa population, d'éduquer ses enfants. Et là, on va commencer à parler de ceux qui sont forts, de ceux qui sont faibles. Sans vraiment de questions, je vais respecter votre temps. J'ose espérer que je vous ai éclairé pour que vous preniez conscience, que notre pays est au cœur de l'économie mondiale. Je vais donner quelques anecdotes. J'aime bien rendre à César ce qui est à César. J'ai partagé la table avec un jeune Congolais ici aux États-Unis qui voulait travailler avec moi. Je lui ai dit, ben, écoute-moi, je travaille avec des volontaires. Je ne suis pas multimilliardaire. Il m'avait coupé court. Il m'a dit, vieux, vous savez, les moments que vous traversez, c'est un moment naturel. J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, tu te vois comme ça, mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, vieux, aucun fruit au monde, manga, orange, ce qu'on plantait en haut, aucun fruit au monde est beau takassant qui est passé par le pourrissement. Ce fruit pour là. Il faut pour là avant Ebota. Eh bien, ne prends pas ce passage-là de difficile, mais je l'extrapole au niveau pays Nabiso. Vous avez vu le coronavirus? Bobimate. Mais c'est le moment de produire Baïdé Asika sur comment on va fonctionner. Parce qu'avec l'enfermement que le coronavirus vient de nous imposer, il faut inventer des idées. En tout cas, je touche mon nez parce que c'est naturel, mais je ne vous le conseille pas. On a dit d'éviter de toucher notre figure. Mais vous avez remarqué, j'ai mis mes chaussettes, je suis en sweater, ça m'empêche d'avoir froid et de commencer à éternuer ici pour Bokimate. Mais c'était vraiment un grand honneur et un grand plaisir d'avoir partagé cette soirée avec moi. On profite du confinement. Je demande à ceux qui aient la paix entre nous dans nos maisons, ceux qui se disputent, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. Maman na batata, bozana calme. J'adore ma communauté parce que je passe le temps aussi au lieu à la CNN tout le temps de regarder parfois les vidéos qui sont postées. J'ai fait un clin d'œil à la dame qui dit maman kewapi. Nakeluka corona, keluka corona boni ne mino. Papa mino le rakine musala. Toswa na kamingite. Depuis qu'a fait nanda toswa na nakeb sa corona na magambasa le atikamo. Alors je suis vraiment émerveillé par ces vidéos qui sont partagées de gauche à droite. J'ai aussi aimé une vidéo que vous pouvez avoir vue de la personne dans le sud de la France, je crois, qui voulait briguer, casser les confinements. Alors, il sort, il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit personne et il commence à marcher. La sirène de la police qui commence à circuler, il rentre vite comme un gamin. Il a été filmé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de colère dans l'air. Les gens qui ne comprennent pas, je crois que je suis dans une cellule de gestion des crises. Il y a Corona ici aux États-Unis. Les propos que moi j'ai tenus, ce sont des propos que je partage avec les leaderships de la Croix-Rouge pour dire que c'est l'heure est venue de regarder les modèles économiques dans lesquels le monde fonctionne. Eh bien, je pense que j'ai eu très peu de questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je reviendrai un peu plus puisque je vais profiter du confinement et de l'isolement pour ne pas, je dirais, rester seul, mais pour faire ce que je pensais que c'était nécessaire
que Tokokako Lobake, voilà ce qui peut se préparer, là où le combat peut nous amener, parce que nous parlons, nous ne les avons pas laissés tranquilles, nous continuons à parler, nous continuons à utiliser vos réactions pour obtenir un changement pour tout le monde. Que dire d'autre? Mot de la fin, c'est j'aime toujours finir mon intervention par de l'espoir. L'espoir, c'est ce que nous avons présenté au Parlement européen sur recommandation des États-Unis, que nous avons présenté la répartition du partenariat que le Congo peut avoir avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, la Chine, la Russie. Nous avons montré à la Russie qu'ils peuvent, lorsque les Américains sont du côté des Inga pour l'électricité, les Russes peuvent venir pour l'exploitation des gaz. Nous leur avons montré l'intérêt de notre approche et de notre vision économique. Comme ça, quand vous entendez parler du partenariat États-Unis-Congo, Tobo Tiango, je n'en dirai pas plus, mais l'espoir est là. L'espoir est que, à vous qui êtes au pays, la diaspora vous apporte ce que vous avez besoin pour subsister, pour survivre. Le flat hotel, les entreprises funéraires, les anabilo que belé diaspora est salé. À ceux qui sont fâchés quand on dit que la diaspora congolaise est la plus puissante au monde, prenez conscience de ces données que j'ai échangées avec vous pour dire la plus puissante parce qu'on donne beaucoup plus d'argent. Combien des entreprises au Congo appartiennent à la diaspora? Quand vous prenez notre argent, Western Union, etc., là, le Congo est bien. Là, la diaspora est bien. Mais lorsqu'on vous dit, ben, écoute, on veut apporter notre solution qui va servir l'intérêt général. Là, il faut rester là-bas, Bolia Bambala, Bissolette, Ozalakiawa, etc. Ceux qui disent ça, ils veulent continuer à ce que vous continuez à croupir dans la misère. À la jeunesse congolaise qui ne supporte plus ce qui est en train de se passer. Aux familles congolaises qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Le coronavirus aux États-Unis, en Europe, on suppose que dans un mois, ça va être passé. Mais au Congo, ça ne pourra pas passer en un mois parce que vous êtes restés collés. Au moment où les gens devaient être séparés, vous êtes restés collés dans le bus, dans les machins. Malade est aussi laté. Malade est aussi laté. Et on dirait combien de temps? Il n'y a pas de solution de groupe. Les solutions de groupe, c'est, bon, école Saint-Gabriel, Nayolo, de telle heure à telle, Tokabula Bana, Biloko Olia, Bana moins de 5 ans. École Boena Lingwala, Tokabula Bana, Biloko Olia, de moins de 5 ans. Na Ipen, Tokabula Biloko Olia, na Bana moins de 5 ans. Awa. Hôpital Oyo, et sa place Bana, il faut pas que nous ayons des médicaments, ils sont urgents. On n'entend pas ça. On n'entend pas ça. Mais en tout cas, j'ai fait cette vidéo par devoir. J'ai fait cette vidéo par devoir parce que vous l'auriez remarqué que depuis un bon moment, je ne parle pas. Je ne fais pas de vidéo parce que je sais que nous avons une équipe. Le président de Unique France, Jim Djunga, comble mes absences, mais il dit la ligne de notre pensée. Nous avons une équipe au Canada, Mathieu Yves Bellolet, Papa Bobé, qui est le doyen de UNIC, en Angleterre, Maman Marie Bendo, le président Mathieu Sangolo, en Belgique, il y a Maman Nicole Lombo, en France, Jim Djunga est là, je l'ai dit. Donc nous sommes une équipe un peu éparpillée. Nous avons Alphonse Marie Bitoulou à Kinshasa depuis 2004. Depuis 2004, ce monsieur représente UNIC sur le terrain. En termes de fidélité, il n'y a rien à dire. Toutes les sirènes sont passées devant, il est resté là où il est. Donc ça veut dire que
Le Congo a aussi des hommes qui savent tenir leur parole, savent tenir leur position. Dans la diaspora, je crois qu'il y a beaucoup des amis. Moi, quand je parle de la diaspora, je ne parle pas seulement aux gens qui ont des titres académiques. Je parle de la diaspora pour nous tous. Je sais que j'ai entendu des gens dire que s'il y a tel profil à la tête de notre pays, nous allons tous y descendre. Préparons-nous. Toyebilobité. Corona peut aussi s'en sauter. Mais nous devons prendre les mesures d'hygiène au bas préconisées pour diminuer le nombre de victimes et nous faire prendre conscience que notre pays doit se construire de l'intérieur et ne pas dépendre de l'extérieur. En tout cas, voilà, c'était un réel plaisir d'avoir partagé avec vous. Je vous remercie infiniment. Je ferai juste une prière pour que le bon Dieu veille sur les nôtres, Tokufimingi, Bao Bakende, Bao Bao Bopito, Bao Nzote Zabiente, Bao Bazan impossibilité à Yako se nourrir, Tosangisa Losambo, Tosangana Bao Bakenda. Là où nous ne voyons pas comment les choses vont se dénouer, les Arol Nabango. Là où nous ne savons pas quoi faire, on se confie à eux qui sont auprès du Seigneur, qu'ils intercèdent pour nous. Parce que nous, Namaela Bomoto, peut-être que nous sommes déjà limités. Je vais le dire parce que je crois, je suis un croyant. Nzambasa la part naï. Vous allez me dire ici que Nzambasa fait service or, iranium, nani n'était, pardon. Ce qui va tenir sur la raison, qui est or, wana ya Congo, ils ont depuis ma vacances, on a biso. Colonisation, y'a qu'on a biso, ma cambe, ça qui. Or, ils ont dit, on a belé la biso. Les autres, comme la moyen, la technologie, ou tous ont communiqué dans mon kilmobimba. Soyez les témoins. Dites aux gens que les Congolais souffrent beaucoup. Demandez seulement à vos collègues, à vos amis sur Facebook, sans téléphone portable. Corona, vous n'avez pas géré en DNI. Sans téléphone portable, WhatsApp, vous n'avez pas géré en DNI. Oui, je suis d'origine congolaise. C'est de là que le coltan vient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ne perdez pas espoir. Tolobaka, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Je vous remercie. Kimi ezan katia ba famille nabino nyoso. Nzamba asunga biso. Merci mingi. Bayo. Ok. C'est dur de se quitter, mais on va le faire. Ok, bye bye. Merci beaucoup.